The discovery of a new exoplanet has astronomers excited that it could be indeed signs of life. Pendant des siècles, le rêve de découvrir la vie au-delà de la Terre a fasciné l'humanité. Grâce au télescope spatial James Webb, ce rêve pourrait bientôt devenir réalité. Le télescope a révélé un secret fascinant dans Proxima Centauri, le système d'étoiles le plus proche de nous. Au milieu de ces planètes, Proxima B se distingue par des lumières artificielles étranges, laissant la communauté scientifique perplexe et intriguée. Est-ce là la preuve tant attendue de l'existence de vie intelligente au-delà de notre système solaire? Comment les scientifiques déterminent-ils si ces lumières suggèrent la présence de vie intelligente sur Proxima B? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la manière dont le télescope James Webb vient de détecter des lumières de vie à 7000 milliards de miles de la Terre. Les humains ont toujours été intensément curieux des secrets de l'univers. Grâce aux innovations technologiques, notre pulsion innée d'explorer la Terre et le ciel continue de nous pousser. Après des milliers d'années de civilisation, la Terre reste la seule planète que nous connaissons pour abriter la vie. En tant que telle, la question ancestrale persiste. Sommes-nous les seuls habitants de l'univers? Ou existe-t-il des civilisations cachées parmi les étoiles, juste en attente que nous les trouvions? Pour trouver la réponse à cette question difficile, deux astronomes américains, Jill Tarter et Thomas Pearson, ont lancé en 1984 un projet appelé Recherche d'intelligence extraterrestre, SETI. Cette initiative à but non lucratif vise à trier à travers l'espace cosmique en se concentrant sur les signaux radiospatiaux. Ces ondes radio sont capables de parcourir des distances immenses et sont le principal moyen de communication extraterrestre potentiel. À cette fin, 42 radiotélescopes situés au cœur des montagnes californiennes de la chaîne des Cascades ont été soigneusement réglés sur les fréquences du cosmos. SEWS radiotélescopes, connus sous le nom de réseau de télescopes Allen, ont été conçus pour capter tout signal extraterrestre de l'espace. Bien que les scientifiques aient scruté le ciel à la recherche de signaux crédibles pendant de nombreuses années, à ce jour, il n'y a pas de preuves convaincantes de signaux provenant d'une civilisation extraterrestre. Cependant, des rapports récents de la NASA suggèrent que le télescope spatial James Webb, JWST, aurait peut-être repéré des lumières de vie artificielle provenant d'une planète voisine. Y a-t-il du fondement à cela? Découvrons-le. Le lancement réussi du télescope spatial James Webb est un pas de géant pour l'humanité dans la compréhension de l'univers. Le télescope spatial James Webb, JWST, est l'instrument le plus avancé de l'histoire de l'humanité pour comprendre ce que l'univers contient. Situé à environ 1 million de miles de la Terre, ce télescope géant est notre fenêtre sur les premières époques de l'univers. Il rapproche les points d'observation auparavant insaisissables, éclairant la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Les astronomes exploitent les capacités du télescope spatial James Webb, JWST, et ses caméras de pointe et ses filtres pour capturer et analyser les couleurs complexes entourant les objets célestes. Grâce au JWST, les chercheurs sont capables d'isoler et de collecter des informations précieuses sur les compositions chimiques et les propriétés physiques des corps célestes dans les régions lointaines de l'univers. Ils ont accompli cet exploit en isolant des longueurs d'onde lumineuses spécifiques. Au-delà de la simple observation, le JWST explore et étudie les atmosphères des exoplanètes à la recherche de traces de vie. Sa puissance inégalée pour observer au-delà des limites du temps et de l'espace a conduit à certaines des découvertes les plus remarquables. Par exemple, grâce au télescope, les astronomes ont découvert plus de masse que CE, qui était précédemment cru exister dans l'univers, caché dans plusieurs galaxies massives. En fait, cette découverte remet en question les notions antérieures sur la disposition et les proportions de l'univers. Alors que l'humanité se lance à la découverte des confins du cosmos, le JWST sera un outil central pour résoudre les mystères des mondes isolés et esquisser de nouvelles écritures dans la connaissance astrophysique. Il y a seulement 2 décennies, le domaine au-delà de notre système solaire restait largement inexploré et dépourvu de planètes connues. Cependant,
les astronomes ont depuis révélé plus de 4000 exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines, un témoignage remarquable de l'ingéniosité humaine et du progrès technologique. Selon la NASA, ce catalogue pourrait n'être que la pointe de l'iceberg céleste, laissant présager l'existence de trillions d'autres exoplanètes dispersées dans tout le cosmos. Dans l'exploration infatigable de la vie extraterrestre, les scientifiques continuent de regarder vers la possibilité de détecter des habitats extraterrestres au-delà de là où nous avons été auparavant. Comme le destin l'aurait voulu, lors du voyage du vaisseau spatial Galileo vers Jupiter, son instrument spectroscopique a révélé de manière inattendue une signature spectrale distincte indiquant une végétation terrestre. Cette découverte historique marque la première fois que les scientifiques ont trouvé une biosignature, le bord rouge de la végétation, VRE. Le VRE examine la vie extraterrestre différemment en se concentrant sur la manière dont elle reflète la lumière. Grâce au VRE, le JWST devrait dévoiler les énigmes des environnements extraterrestres. Il le fera en cartographiant soigneusement les paramètres orbitaux des exoplanètes extrasolaires potentiellement habitables et lointaines, situées dans les zones habitables de leurs étoiles parentes extraterrestres. Si détectés, ces signaux VRE pourraient être des preuves cruciales dans la recherche de vie intelligente en dehors de notre planète. Ce sera le début d'un nouveau voyage pour nous dans notre quête pour découvrir les mystères de l'univers. Lorsque la lumière solaire traverse les couches atmosphériques, la lumière désintégrée, qui transporte différentes longueurs d'onde, est absorbée par les atomes et les molécules de ces couches. Cette absorption donne lieu à un schéma spectral typique, similaire à des empreintes digitales exclusives, qui peuvent être déchiffrées grâce à une analyse spectroscopique. On théorise que lorsque la lumière d'une étoile atteint une planète, le télescope spatial James Webb, JWST, sera capable de la détecter lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère de la planète. Ainsi, le JWST pourrait être la clé pour révéler la composition atmosphérique des exoplanètes lointaines, une indication essentielle de leur éventuelle vie terrestre. Des planètes de la taille de la Terre, bénéficiant d'atmosphères riches en oxygène, en azote et en dioxyde de carbone, comme la Terre, pourraient abriter des conditions propices à la vie telles que nous la connaissons. Cependant, l'absence des éléments attendus ou la présence de composés inhabituels pourrait suggérer des formes de vie alternatives ou même des civilisations technologiques. De manière intéressante, la découverte de chlorofluorocarbones, CFC, qui sont des composés fabriqués par l'homme principalement utilisés pour la réfrigération et des fins industrielles, pourrait aider les scientifiques à prouver l'existence d'une civilisation extraterrestre. Si le JWST trouve de telles molécules artificielles dans l'atmosphère des exoplanètes, ce sera une preuve solide d'activité extraterrestre en dehors de notre système solaire. Cela pose une aventure très intéressante pour les chercheurs cosmiques, ouvrant une nouvelle porte sur les compositions atmosphériques d'autres mondes et la possibilité de civilisations mystérieuses au-delà de la Voie lactée. Certainement, la révélation concernant la vie au-delà de notre planète est caractérisée par plusieurs possibilités qui vont au-delà des limites de la biologie terrestre. Alors que nous envisageons souvent la vie telle que nous la connaissons, prospérant dans des climats tempérés comme le nôtre, la réalité pourrait s'avérer beaucoup plus variée et extrême. Par exemple, les extrémophiles, un groupe fascinant d'organismes composés principalement de bactéries, remettent en question ce que nous comprenons comme un habitat approprié. Ces organismes vivants robustes peuvent survivre facilement et même s'épanouir dans des conditions généralement décrites comme extrêmement sévères. Les extrémophiles peuvent tolérer même les environnements les plus terribles avec des températures atteignant 250 degrés Fahrenheit et des niveaux de pH inférieurs à 3. Ils sont des exemples étonnants de la durabilité des êtres vivants dans des conditions difficiles. En tant que tels, les dimensions illimitées de l'univers et les innombrables environnements qui y sont associés nous indiquent que notre recherche de vie extraterrestre devrait être étendue. Bien que les planètes mentionnées, ressemblant à la Terre et orbitant autour d'étoiles stables de type solaire, offrent de véritables opportunités, nous devrions également envisager des scénarios alternatifs. Les principaux candidats à l'exploration peuvent inclure des exoplanètes orbitant autour d'étoiles naines rouges qui sont plus abondantes dans l'univers.
Cependant, malgré leur luminosité plus faible et leur température plus fraîche par rapport à notre Soleil, ces étoiles offrent des opportunités uniques pour étudier le potentiel de vie dans des environnements divers. La longue durée de vie des étoiles naines rouges offre une abondante opportunité pour que les processus lents et complexes de l'émergence et de l'évolution de la vie se déroulent. Situé à environ 40 années-lumière de la Terre, le système planétaire de TRAPPIST-1 se présente comme une cible de choix pour la mission du télescope spatial James Webb, JWST. Ce système spectaculaire, composé d'une étoile naine rouge faible et de 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre, orbite autour de l'étoile naine rouge sereine. 3 de ces planètes détectées sont désignées comme des planètes habitables et pourraient très probablement avoir de l'eau à leur surface. Bien qu'elles soient plus petites et plus froides que notre Soleil, l'étoile TRAPPIST en émet une lumière douce et semblable à celle de la Terre qui est adaptée pour soutenir la vie sur ces planètes en orbite. Parmi les différentes étoiles de la région cosmique, Proxima Centauri émerge comme un phare de potentiel. À une distance de seulement 4,25 années-lumière du Soleil, ce qui fait de Proxima Centauri l'étoile la plus proche de la nôtre, cette étoile peut être observée dans sa faible lueur. En fait, elle est à peine visible au milieu de l'obscurité du ciel nocturne. Cependant, sa faible luminosité signifie que toute planète habitable en orbite autour d'elle doit maintenir une distance rapprochée. La distance de toute planète habitable à Proxima Centauri doit être d'environ 20 fois plus proche que la Terre au Soleil. Sans remplir cette condition, aucune de ces planètes ne peut supporter des conditions propices à la vie comme notre planète. Dans une révélation captivante le 24 août 2016, les astronomes ont découvert une planète avec une masse 1,3 fois supérieure à celle de la Terre située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cette région, semblable à celle de Goldilocks, offre un équilibre délicat de l'intensité lumineuse, étant parfaitement équilibrée pour faire fondre la glace en eau et potentiellement nourrir les germes de la vie. Proxima B est un paradoxe astronomique orbitant autour de Proxima Centauri, son étoile hôte. Cette planète, qui est étonnamment seulement 4,6 millions de miles de son étoile naine rouge, présente de nombreuses situations menaçant sa capacité à soutenir la vie. Proxima B est très proche de son étoile hôte, Proxima Centauri, ce qui l'expose à de puissants vents solaires qui peuvent lui arracher son atmosphère et la rendre inhabitable. Mais malgré toutes ces circonstances difficiles, Proxima B se prélasse dans la lumière de son étoile minuscule, recevant assez de soleil pour maintenir des températures semblables à celles de la Terre, où l'eau est à l'état liquide. Cependant, l'orbite proche de la planète entraîne probablement un verrouillage des marées. Cela conduit donc à une hémisphère étant soumis à une lumière solaire constante et intense, tandis que l'autre connaît l'obscurité totale. La situation ressemble à la relation entre la Lune et la Terre dans notre système solaire. Avec seulement 18% de la masse du Soleil, Proxima Centauri émet une lueur faible. En émettant significativement moins de lumière que prévu, associée à sa proximité avec Proxima B, seulement 5% de la distance entre la Terre et le Soleil, Proxima Centauri défie les attentes conventionnelles. Cela indique que Proxima B pourrait ne pas être l'enfer brûlant auquel on s'attendrait pour une planète si proche de son étoile. Malgré les défis posés par son orbite proche et la perte potentielle de son atmosphère au vent solaire, Proxima B offre des possibilités convaincantes. S'il conserve une atmosphère protectrice capable de piéger la chaleur, de l'eau liquide pourrait concevablement exister à sa surface, ouvrant la porte à la perspective captivante de l'habitabilité au-delà de la Terre. Avec Proxima B ne recevant que 65% de l'énergie solaire totale de la Terre, ses perspectives de favoriser la vie sont assez faibles. L'état possible de verrouillage des marées de la planète crée des différences de température extrêmes entre son jour brûlant et sa nuit glaciale. Ces conditions difficiles, aggravées par la proximité de la planète avec Proxima Centauri, soumettent Proxima B à un rayonnement intense, y compris les rayons X et les rayons ultraviolets, la rendant inhospitalière à la vie telle que nous la connaissons. De plus, Proxima B est bombardée par des particules de haute énergie lors d'éruptions stellaires.
À moins que la planète ne possède un champ magnétique protecteur comme la Terre, CS Bombardement pourrait arracher son atmosphère, supprimant les conditions nécessaires à la vie pour prospérer. Des modèles réalistes suggèrent que des planètes verrouillées par les marées comme Proxima B peuvent connaître un effondrement atmosphérique rapide, alors que les gaz volatiles se figent du côté nuit. Contrairement à la Terre, où l'activité volcanique renouvelle l'atmosphère, Proxima B manque de mécanismes similaires pour le renouvellement atmosphérique. Les mystères entourant Proxima B s'étendent au-delà de ses conditions de surface à son potentiel d'abriter des civilisations avancées. Jusqu'à présent, nos connaissances actuelles offrent peu d'aperçus sur l'activité volcanique de Proxima B ou sur la force de son champ magnétique. Cependant, la possibilité tentante d'une atmosphère alimente les spéculations sur le potentiel de la planète à héberger la vie. La présence d'une atmosphère sur Proxima B suggérerait l'existence de mer et soulèverait la perspective de la vie. La quête pour découvrir des signes de civilisation mondiale sur Proxima B s'est intensifiée, alimentée par l'hypothèse que de telles entités ont peut-être élaboré des solutions ingénieuses pour surmonter les conditions inhospitalières de la planète. Un concept intrigant propose le déploiement de vastes panneaux solaires sur le côté jour de Proxima B. Ces panneaux exploiteraient l'énergie de l'étoile pour éclairer et réchauffer le côté nuit, perpétuellement sombre et froid. Une telle entreprise pourrait transformer le paysage désolé en zones habitables, pouvant soutenir la vie. La récente découverte de Proxima B a également déclenché une course effrénée parmi les astronomes pour déterminer si elle traverse le visage de son étoile tel que vu depuis la Terre. Ce mouvement permettrait aux scientifiques de mesurer la taille et la masse de la planète. Par la suite, ils calculeront sa densité, confirmant sa composition rocheuse et offrant des informations sur les matériaux qui constituent ces roches. De plus, la lumière des étoiles traversant l'atmosphère de Proxima B pendant ces mouvements fournit des indices sur la composition de son atmosphère et son habitabilité. Malgré les défis, la recherche pour élucider le mystère de Proxima B reste une priorité. Cette démarche est alimentée par la soif insatiable de connaissances humaines et la possibilité d'autres formes de vie en dehors de notre système solaire. Un autre facteur à considérer est le caractère chaotique de Proxima Centauri, capable de produire d'importantes éruptions. Cela augmente la complexité de l'investigation du monde habitable de Proxima B. L'astronome David Keeping, de l'Université Columbia, décrit l'étoile comme « piégeuse », soulignant le défi posé par ses schémas de chauffage variables. Alors que les planètes rocheuses absorbent généralement la lumière du Soleil et émettent un rayonnement infrarouge, le chaos de Proxima B est différent. Sa signature infrarouge diffère de celle de son étoile hôte, Proxima Centauri, offrant une opportunité unique d'observation. Le télescope spatial James Webb, JWST, vient à la rescousse, car il peut détecter les longueurs d'onde infrarouges. La signature de chaleur infrarouge unique de Proxima B est ce qui nous aidera à découvrir les secrets cachés de son atmosphère. Les capacités d'imagerie infrarouge de pointe du JWST sont bien préparées à révéler le mystère des composants atmosphériques de Proxima B et à fournir des aperçus uniques sur les possibilités de vie sur celle-ci. De plus, la sensibilité infrarouge du JWST étend l'exploration au côté nuit de Proxima B. Malgré le défi intimidant de détecter une faible illumination artificielle contre l'obscurité cosmique, la technologie avancée du JWST lui permet de discerner même les lueurs les plus faibles de lumière. Le télescope spatial James Webb sera capable de vérifier les rumeurs de lumière de ville sur le côté nuit de Proxima B, même si elles étaient aussi faibles que les lumières que nous utilisons actuellement la nuit. Le télescope peut détecter l'illumination artificielle, à condition qu'elle tombe dans une bande de fréquence 1000 fois plus étroite que la lumière des étoiles. L'environnement unique de Proxima B présente une relation captivante entre ses caractéristiques de surface et les interactions stellaires. Le côté jour de la planète, s'il est rempli de nombreux panneaux solaires, exploitera l'énergie rayonnante de l'étoile. En même temps, ses bords spectraux réfléchissent efficacement les rayons lumineux entrant. Alors que Proxima B complète son orbite autour de son étoile hôte, ses côtés jour et nuit connaissent des cycles identiques.
caractérisée par des pics de température diurne doux et des bas de soirée frais. Cependant, l'ampleur des fluctuations de température dépend de la composition de la planète. Si Proxima B manque d'une atmosphère, la différence entre S écoté jour et nuit serait grande. Sans l'influence modératrice des gaz atmosphériques et des océans, le côté jour rayonnerait la chaleur comme un corps noir, tandis que le côté nuit plongerait dans l'obscurité froide. En observant le degré de variation de température, les astronomes peuvent obtenir des informations précieuses sur la composition atmosphérique de Proxima. Avec ses capacités d'imagerie infrarouge inégalées, le JWST examinera les émissions thermiques de la planète, fournissant des données inestimables sur SE propriétés atmosphériques. Remarquablement, l'orbite du JWST autour de la Terre est alignée sur la période orbitale de Proxima, facilitant des observations complètes des deux côtés, jour et nuit, de la planète en seulement 11,2 jours terrestres. Si Proxima B possède une atmosphère, la prochaine étape consiste à analyser sa chimie atmosphérique pour voir si elle peut soutenir la vie. Certains gaz tels que l'oxygène, la vapeur d'eau, voire le méthane, s'ils sont présents, sont d'excellents indicateurs de conditions habitables et de la présence possible de vie. Cependant, l'analyse nécessite de capturer et d'examiner méticuleusement les rayons lumineux interagissant avec ou traversant l'atmosphère de Proxima, une entreprise intrinsèquement difficile. Bien que le télescope spatial James Webb offre de vastes opportunités pour caractériser les atmosphères planétaires, son objectif principal est différent. Le télescope est seulement adapté pour analyser les variations de concentration de méthane, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Bien qu'il soit limité dans l'identification de l'oxygène lié, un fort indicateur de vie, le JWST peut encore avoir des raisons de rechercher d'autres substances. Cela inclut l'ozone, qui pourrait fournir des informations sur le niveau de vitalité prévalent dans l'atmosphère de la planète. De plus, le JWST n'a pas de capacité absolue, et son regard est limité à seulement quelques-uns des mondes plus proches, de plus habitables. Pour mener une enquête atmosphérique plus complète, les astronomes se tournent vers les observatoires terrestres comme le télescope extrêmement grand, ELT. Prévu pour démarrer ses opérations en 2028, l'ELT est positionné de manière unique pour creuser plus profondément dans la structure atmosphérique des exoplanètes lointaines. SE's données fourniront un aperçu vivant de leur habitabilité. Alors que nous attendons avec impatience le déploiement de futurs télescopes spatiaux, le télescope spatial James Webb, JWST, reste un outil crucial dans notre quête pour comprendre les exoplanètes lointaines. Malgré ses limitations actuelles, le JWST a le potentiel de fournir des informations inestimables qui façonneront notre approche de l'exploration exoplanétaire pour les années à venir. Les futurs télescopes spatiaux visent à réduire la luminosité de l'étoile hôte d'une planète, permettant aux astronomes de se concentrer sur la lumière réfléchie par la planète elle-même. Cela peut être fait en utilisant des masques internes ou de grands satellites externes en forme de parapluie, similaires au blocage de la lumière avec votre main, pour mieux voir les objets lointains. En atténuant l'éclat de l'étoile hôte, les télescopes peuvent mieux étudier la faible lumière réfléchie par la planète, permettant une analyse détaillée de son atmosphère et de son habitabilité potentielle. Cependant, des défis existent, tels que la distinction entre les gaz produits par la vie et ceux issus de processus géologiques, tels que l'activité volcanique. Les astronomes s'efforcent de comprendre de manière exhaustive les caractéristiques des exoplanètes pour identifier les signes potentiels de vie et les différencier des faux positifs. Le télescope spatial James Webb, JWST, offre un aperçu des avancées dans la recherche d'exoplanètes, laissant entrevoir les découvertes passionnantes qui nous attendent. Alors que nous progressons dans l'exploration cosmique, stimulés par la curiosité et la technologie, nous approchons d'une nouvelle ère de compréhension de notre univers et de notre place en son sein. Que la vie existe au-delà de la Terre ou non, les implications de nos explorations sont profondes et façonneront notre perspective sur l'existence même. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici,
Assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes comme celle-ci.